Tout d'abord, merci d'avoir choisi le territoire de Belfort pour vous former, pour suivre vos études à l'UTBM. Vous nous honorez de votre présence parce que la recherche fait évidemment et obligatoirement bon ménage avec notre développement industriel. Vous êtes l'avenir de notre territoire. Pour les collectivités, comme pour l'administration, les étudiants représentent une force vitale pour un territoire. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes des lumières aussi pour la ville où vous vous trouvez ou pour le territoire où vous vous trouvez. Vous venez de toute la France, vous venez aussi de pays étrangers, donc vous apportez aussi de la richesse dans la rencontre entre les différentes cultures qui existent sur notre Europe, voire sur d'autres pays. L'apport des étudiants de l'UTBM est très important, d'abord au niveau de l'animation de la ville, parce qu'ils sont très dynamiques et on les voit animer beaucoup de soirées, parce que la vie étudiante, c'est aussi quelque chose d'important pour l'attractivité d'une ville, mais au-delà, au cours de leurs études, par la qualité de leurs recherches, par la qualité de leur cursus, ils participent à de nombreux projets avec les entreprises. Et ils permettent ainsi au territoire de Belfort et à la ville de Belfort d'être beaucoup plus attractifs pour un certain nombre d'industries qui trouvent ainsi des laboratoires de recherche de qualité et des étudiants qui peuvent correspondre au profil d'ingénieurs qu'ils auront à embaucher et qu'ils ont des fois du mal à trouver sur certaines régions. Conservez votre curiosité. Cette curiosité-là va vous suivre toute votre vie et va vous permettre d'évoluer dans le monde de l'entreprise très facilement. Maintenant, ce que j'attends de vous, c'est qu'un certain nombre d'étudiants s'installent durablement dans notre département. Le territoire de Belfort a besoin de talents comme vous. En venant vous installer ici, vous faites le choix de l'avenir. Je vais leur souhaiter bonne chance. Je pense qu'ils sont aujourd'hui très heureux d'avoir fait leurs études dans le Nord-Franche-Comté, à la fois sur nos deux villes-centres, Belfort et Montbéliard. Ils se sont frottés à notre développement industriel. Ils ont eu les apports de précisément nos industries, que ce soit sur les mobilités ou que ce soit sur les énergies. Je leur souhaite bonne route. Je souhaite que déjà qu'une grande partie puisse rester dans notre pays de Montbéliard en créant des start-up, en créant leurs petites entreprises ou en travaillant dans nos industries ou dans notre artisanat du Nord-Franche-Comté. Mais aussi pour ceux qui partiront, et je sais qu'il y en a pas mal qui iront poursuivre leur vie professionnelle dans des pays, je dirais, étrangers, quels que soient les continents, et que là-bas, ils fassent connaître notre pays de Montbéliard et notre savoir-faire. Vous avez réussi à être diplômé de l'UTBM. Vous avez ainsi toutes les cordes à votre arc pour réussir magnifiquement votre vie professionnelle et votre vie personnelle, parce que je pense que les deux sont liés, et je vous invite à faire partager à notre région cette belle réussite. Je vous souhaite le meilleur pour la vie professionnelle et pour la vie tout court pour demain. Dans quelques minutes, vous allez avoir la remise de votre diplôme, et derrière, c'est comme un passeport. Ce passeport-là, il va vous permettre de rentrer là où vous voulez, de faire ce que vous voulez. Et surtout, c'est vous qui allez être les ambassadeurs de votre école derrière. C'est important parce que c'est grâce à vous que d'autres étudiants seront amenés à revenir à l'UTBM, auront envie d'aller à l'UTBM. Et vous allez être réellement les porte-parole de votre école dans le monde industriel. Donc faites-le bien, et je pense que vous allez le porter, et vous allez le porter haut et fort.